Et salut à tous, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour jouer aujourd'hui à Burnout Point of Impact sur PlayStation 2, je suis avec Guillaume, bonsoir Guillaume. Effectivement, si je mets pas le son, on va pas beaucoup l'entendre, bonsoir Guillaume à nouveau. Salut à tous et bienvenue sur Crash FM. Alors ça marchera pas puisqu'on est sur Burnout 2 et pas sur 3, mais je suis quand même, alors aujourd'hui je suis avec le fameux présentateur de Burnout 3 que tout le monde connaît. Encore du joke évidemment, mais pourquoi pas. Alors on va faire un mode multi, single race ou crash. Alors il y avait un mode poursuite aussi, un mode police, mais il aurait fallu qu'on avance dans le jeu avant pour débloquer les modes, donc on va se contenter d'un mode single race et crash. Single race, c'est parti. Donc on a droit à plein de petites voitures assez sympas. Qu'est-ce que je pourrais prendre? Je crois que je vais prendre celle-là, tiens. Prendre une petite voiture. Alors il n'y a pas les licences évidemment. Hein. Je vais choisir. Single race, moi je trouve ça un petit peu limite quand même. Hein. Oui, c'est très. Franchement, ça rappelle les heures sombres de notre histoire. On va prendre un produit pour commencer à prendre un circuit en rond. Comme ça, au moins, ah oui, l'aéroport. C'est l'aéroport ça. Ouais, c'est l'aéroport, enfin l'embranchement. Je me rappelle. Bon, ok, j'avoue, je vais pas faire ça. Je vais pas faire ça. Donc il est comment en bas, fait, je suis. Comment t'as fait en... pour tracer comme ça? Alors en fait, il faut que tu fasses carré. Enfin. Freinage plus accélération, et tu restes appuyé sur le bouton accélération après avoir lâché carré. Eh oui, c'est le fameux burn-out en fait. Voilà, mais juste au démarrage, hein, ça marche. Alors donc tu es en bas, je suis en haut. Alors j'ai pris une voiture, toi t'es une voiture peut-être un peu plus rapide, mais bon, par rapport au handicap qu'on a. Par rapport à l'handicap que t'as, c'est pas la même. Non, c'est pas la même. Je ne vois pas l'affront de vous expliquer ce que c'est burn-out, hein. Falloir aller plus vite, c'est un jeu de bagnole, voilà. On peut se taper, alors les tectones n'y sont pas encore, hein, donc Donnez-moi du boost. Et ce qui est sympa, c'est qu'on a l'IA avec nous, parce qu'on est 4 sur la piste. Je pensais vraiment pas qu'il y avait l'IA, je ne vais pas se souvenir de ça. Mais quelles heures j'ai passé avec mon cousin dessus, mon dieu, t'as cassé des barres ce jeu. Wow. Oh mon dieu. On va essayer de passer par là. Terrible. Moi, ce jeu, ce qui me rappelle, c'est mes meilleures heures sur Thrill Drive sur arcade. C'est Thrill Drive, si tu veux. Thrill Drive, c'est un jeu qui reprenait le principe de Burnout, mais avec tout un côté mettant en avant le drama des accidents de la route. Alors d'ailleurs, le 2, c'est un peu le début du what the fuck. Hein. Burnout 1 avait un côté vraiment réaliste, dans le sens où quand tu te prenais une bagnole, t'étais vraiment dégoûté quoi. Tu dis le chrono il va être super short, je vais pas arriver à prendre le timer. Là c'est quand même beaucoup plus sympa à ce niveau-là. Évidemment le 3 après c'est. Ah, j'aurais dû prendre à contre-sens. Alors je te rappelle le cas où t'appuies sur carré quand tu tournes, comme ça tu peux commencer à la faire drifter. Et ça te permet d'augmenter ta jauge de boost en bas vraiment à gauche quand même. Tout à fait Thierry. T'es premier là? Ouais, je suis premier pour l'instant. Je suis pour l'instant parce que je me suis mangé un truc tout à l'heure aussi. Ah, j'ai fait un perfect là par contre. Alors, c'est typiquement un genre de jeu où tu vas avoir un peu de mal, je pense, avec la latence quand même. Parce que tu vas être quand même ultra réactif. Bah, franchement, je trouve que c'est un peu moins pénible que Grand Tourisme. Ah! Bah, écoute, ça m'a. Vous m'envoyez ravi, mon cher! Et que les voitures font des embardées assez rapidement dès qu'on tourne en fait. Donc, c'est pas mal. Ah bah d'ailleurs, en parlant de ça, t'es juste... t'es premier. Oh, j'ai essayé de te la couper au dernier moment. La voiture, évidemment. Hein. Mais c'était... Je peux comprendre. J'avais le rire à latence, quoi. Ah j'avais oui, blague, hein, tu rigoleras. On joue sur Parsec. Ah, c'est ça. Le pire, c'est qu'il va gagner, quoi. Ah non, mais encore un checkpoint. Ah oui, à 5 tours, c'est vrai. Ah, du coup, ça va être la pression. On va essayer de passer entre les deux. Voilà, c'est bon, j'ai le boost. Alors, ce qui est chaud, c'est quand t'es derrière un mec parce que les voitures elles ont tendance à faire n'importe quoi autour. Et du coup, pour anticiper ça, c'est super chaud. Oh, ben voilà, exactement. Wouah! Ah, par contre, c'est dégueulasse. Hein. Tu t'es planté. Comment ça? Après moi, tu es parti après moi, avant moi. Ah, ouais, non, mais c'est logique. Et limite, je termine 3ème. Oh mais le mec il a mis son clignot au dernier moment mais chauffeur. Ah et c'est l'IA qui va gagner. Incroyable. Non. Dites-moi pas que c'est pas vrai.
Alors il y a un léger boost pour ceux qui sont derrière. Oh, qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que je fais, ouah, ouah. Ah dommage. Ouah, c'était short. Ah, j'ai fini deuxième, bravo. Oh bravo. Alors, ce que alors je précise quand même, au cas où il y a le moindre bug, on est sur la version bêta du jeu. Ça sera son final, donc potentiellement il peut se passer des trucs. Est-ce que t'as un record? T'as fait le meilleur deuxième temps. Ah non, t'as fait la meilleure chrono que moi quand même, regarde. T'as fait une 30-50, meilleur temps, meilleur skill. Non mais c'est normal. Ah par contre en skill... C'est le talent. Voilà. Je ne dirais pas. C'est le talent. C'est comme ça. Il y a des gens qui naissent avec du talent et d'autres pas. Et du coup t'as deux petits points. Normalement t'aurais eu 3 points si t'avais gagné la si t'avais gagné la course. Alors, tu sais quoi, je vais garder la même. Je trouve qu'elle est plutôt homogène, donc en fait j'aime bien. Change de couleur, à la limite je vais la mettre en jaune. Et en fait, c'est particulier dans ce jeu, en fait on peut pas prendre tous les deux la même voiture quoi. Si, tu veux prendre la grise, c'est la même que la mienne. C'est celle-là toi? Ouais, ouais. Ah oui d'accord, ah si, d'accord. Alors après, plus la voiture est rapide, plus évidemment tu vas avoir de mal à s'épée de la route. Enfin de... plus de mal à la manier. Je reste sur la même, moi je l'aime bien. Ah mais pourquoi je peux pas changer la couleur moi, c'est pas juste ça? Ah si, couleur. Ah si, allez pardon. Tu veux te mettre en, tu veux te mettre en manuel? On peut changer les conditions aussi, mais ça c'est overcast ou sunny, on va rester sunny, c'est bien le soleil. Un peu en automne. Ensoleillé ou couvert. La petite traduction. Pour ceux qui se posent la question, je suis en bas. Ah oui, alors effectivement le fait d'avoir les deux voitures en jaune. Mais ça va. Casse-toi pauvre con. Il marche à l'ombre. Oui, j'adore citer Sarkozy au sein de l'agriculture. Moi c'est un des grands moments de notre... Alors là monsieur prend des risques. Wow. Un peu trop d'ailleurs. Oh, je pensais que je m'étais pris le bus et en fait non. Alors l'IA qui reste bloquée. Alors c'est toujours l'envie de lancer le boost quand on l'a. Mais c'est vraiment le piège à con. C'est vraiment le piège à con. C'est marrant parce que tous ces environnements-là, j'y ai joué en VR et ça me fait un peu bizarre, je t'avoue, de... De le voir pas en VR. D'y rejouer après tout en mode comme ça. Oh damn! Je suis crashé! Ouais. Pas de bol, tu t'es crashé! Ouh, la contre-sens. Ah non, mais en fait, non, mais... Ah, j'ai l'impression d'être un autiste, en fait, c'est impressionnant. Désolé pour les autistes. Non, mais je me replante derrière. Merci pour ta sollicitude. Ouais, tu les insultes là, les autistes. Excusez-moi, je ne leur referai plus. Rien à foutre! J'emmerde la loi! La sécurité routière! Non, mais... ouais, moi je conduis comme ça dans la vraie vie. Voilà. Avec mon Aprilia. Avec ton Aprilia, ouais. Ah, bah c'est vrai, en plus aujourd'hui tu as fait une folie, je te dis. Ton Aprilia, on sent. Centimètres cubes. Non mais bon, 50 centimètres. Je le fais exprès ou quoi? Bon allez, on va remonter en niveau là parce que ça va pas du tout. Ah mais c'est ce que je disais tout à l'heure par rapport au talent. Hein. Le talent c'est d'avoir envie. Oxford. Le talent c'est quelque chose, on est avec, tu vois, ça ne s'apprend pas. Alors j'ai décidé de faire des publicités sur la chaîne désormais. Du coup il y aura une citation de Marc à peu près toutes les 30 secondes. De Marc? Oui, de Marc. Marc. C'est Marc. Marky Mark. Voilà, c'est Marc. Marky Mac, ouais. Comment, Oh, c'est encore passé, magnifique. Oh là là là. Tellement de sensations dans ce jeu, n'empêche. Oh, je me bouffe un camtar. Attention, il y a un accident dans le tunnel. Là aussi, il y a un accident, regardez. Tu ne passeras pas. Je te laisserai pas passer. C'est fini le fair play. Tu m'as trop humilié sur les vidéos sur Gran Turismo 4. J'ai toujours pas avalé. Oh non, le salaud! Salaud! J'adore l'humiliation, c'est ma grande passion. J'ai remonté. Fatkin, c'est une dominatrice. Oh oui. Je vais te rattraper, enfoiré! Alors, ce qui est drôle, c'est que je lance le burn-out, mais j'accélère pas avec. Le boost! C'est maintenant qu'il faut jouer. Ouais. Alors il y a deux tours, hein. Il y a un peu moins de tours qu'à faire que tout à l'heure. Mais tu vois comment tu peux le ride et que tu te crashes pas. Ce jeu c'est vraiment...
Ah ouais, c'est top. Hein. C'est mon préféré d'Abornaut en fait. Le 3 j'ai bien aimé, mais alors, vraiment celui-là. C'était l'entre-deux quoi. C'était le côté. Il fallait vraiment beaucoup de skill quand même. Ah bah voilà. En parlant de skill. Oh, là, comment tu passes entre les accidents, c'est génial quoi. Ah, c'est chaud. Hein. Surtout qu'en plus, si je me prends un petit truc, je crush avec. Occasion un jour de faire le Burnout 3 d'ailleurs pour les tech down, ça va être sympa. Mais le 2 franchement j'aime bien, voilà, c'est l'entre-deux, c'est pas le côté trop hardcore dur du premier et le côté un peu n'importe quoi du troisième. C'est un peu entre les deux. Oh là là, ce passage. Ah, j'avais pris beaucoup de plaisir sur cette série. Oh putain, l'IA qui me bloque. J'en ai mouillé beaucoup culotte, de plaisir sur cette série, notamment sur PS2 et PSP avec Burnout 3 Takedown, il me semble. Ou alors dans la PSP, c'était Dominator ou. Ah, Dominator, oui, c'est ça, Dominator. Il était déjà très bien sur PSP aussi. Ah ouais, il était incroyable. Alors, on pouvait faire des multiplicatifs de Burnout aussi, je suis en train d'y penser, parce que je suis dans une bonne série pour le moment. Ouais. On pouvait enchaîner. Alors, je sais, j'avais fait un record sur un circuit. Bon, à l'époque, c'était avant YouTube, hein. Quand j'ai vu sur YouTube qu'on pouvait faire mieux, j'étais dégoûté. J'avais fait, je crois que c'était Burnout x21. Donc en gros, sur toute la durée de la course, j'étais en burnout. Et c'était sur un autre tracé, hein, c'est sur Big Surf. Et c'est vraiment des circuits préférés. Et voilà, j'ai fini. Bon, j'ai pas pu faire mon enchaînement. Mais tu pouvais enchaîner. En tout cas, pour tous les gens qui aiment Burnout, je recommande vivement, si un jour vous avez la chance de tomber sur une bande d'arcade Thrill Drive, d'essayer, parce que c'est vraiment le même concept, mais avec une ambiance tout autre en fait. L'ambiance un petit peu sécurité routière, mais façon japonaise, vous savez, genre à base de message sensibilisation, etc. Oui. Non, mais vraiment quoi. Attention, quand vous crachez dans un camion, faites attention de viser le personne de droite. C'est limite ça. Mais on fera le 1 quand même, parce que le 1 a un côté épique que n'a pas les autres. Ouais, c'est vrai. Les musiques sont épiques, même si les musiques du 2 sont très bien, du 3 aussi, hein. Attention, il y a une bonne bande son dans les Burnout. Mais le côté est vraiment. Faut pas se planter quoi, tu joues ta vie quoi. Bon, pour l'instant ça se passe pas trop mal. Bon, après on va se cacher, j'ai quand même plus l'habitude de jouer à ce jeu que Guillaume, donc j'ai un peu l'avantage. Mais quand même, ça se débrouille bien. On peut l'applaudir. Ça va, allez, je te permets pas, allez, tu m'as pris pour fini. Allez, on va lui donner un sourire. On l'applaudit. Oh, mais quel bâtard. Ah non, mais je pense tellement au jour du grenier quoi. Ouais, mais vas-y, pense-y. Hein. C'est bien, mon petit. Oh putain. T'as de non, mais honnêtement, je vais être franc, tu t'en sors plutôt bien par rapport au lag. Franchement, tu t'en sors bien parce que c'est un jeu, ça prend vraiment pas le lag, c'est impossible de jouer si t'as du lag. Ah là 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 là. Non, mais je. En tout cas, c'est des barres. Non, mais je m'en fous de perdre parce qu'on s'amuse bien. Là, tout à fait honnête. Enfin, le troisième circuit, après on fera le mode crunch évidemment, qui est intéressant parce que c'est assez stratégique. Et puis en plus, c'est le tour par tour. Alors, je vais changer cette fois-ci pour un moteur un poil plus rapide. Bon, ça, l'avantage c'est qu'elle est un petit peu homogène, mais je vais prendre celle-là, une bonne accélération. Ah, on dirait une genre de Lotus. Ouais, Lotus et Elise exige. Oh, Palm B et les conditions. Bon, ouais, c'est comme ça. T'avais pas dit mode crash? Ah non, c'est vrai. Non, c'est trop dernière course. On fera le mode crash après. De toute façon, on a 13 minutes de vidéo. C'est vrai qu'il y a ce. Le départ, fameux boost. C'est compliqué à faire au début, mais ça. Oh, cette musique. Allez. J'aime trop cette musique, si tu permets qu'on écoute un petit instant. Si c'est grésil, pas trop, y'a pas de soucis. Ah, c'est grésil, pas mal quand même. J'ai plus l'impression que c'est le son des voitures que grésil. On peut faire ça, attends. Attention, on va aller dans effet. Absolument, bonne idée. Celle et. C'est pareil. J'ai envie de Il faut pas faire genre appliquer. Ah oui. Et oui. Oh là voilà, quelle intelligence. 140 du QI toujours. Pire mais voilà. Oh, un petit mieux. Peu mieux déjà. Ouah. Oh bah un même Chantel IA avec, parfait.
C'est vrai que c'est très les vacances. On pourra dire ce qu'on veut, n'empêche qu'on n'a jamais fait mieux depuis Driven, le jeu. Hein. Le running guy avec Driven, quoi. Non, mais moi je trouve que Bubsy est vraiment le platformer par excellence. Mais attends, tu vas pas parler de Jumping Flash, ah, le meilleur simulateur de la fin mécanique. Ah putain. Ah, il est chaud. Putain, j'ai Ah bah d'ailleurs. Oh, et je vais en plein dedans, évidemment, forcément. C'était sûr. Des fois, je sais pas pourquoi, j'ai besoin de joueur 2, du coup, je tourne, il faut pas en fait. À la fin du circuit, t'es pas mal, ouais, avec les petites bosses à la fin. Sur Obus. Merci de me prévenir, c'est fair play. On est un peu dernier quoi, donc. Ah non, deuxième et quatrième, troisième, je suis quoi. Et l'important c'est de participer. Oh là là là, mais c'est scandaleux. Pourquoi je me crache à chaque fois que tu te craches? Et quand est-ce que je vais pouvoir prendre la voiture? Alors ça c'est vraiment un effet assez connu dans l'automobile, c'est l'effet de suivre en fait la voiture et de fixer le point en fait ouais. D'impact. Donc là par exemple, je vais me planter, tu vas faire pareil. Moi je déconne. Non, t'as pas besoin de te planter, je me suis planté tout seul, t'inquiète. Comme un grand. Mais là par contre c'est l'IA qui est en train de gagner, et c'est scandaleux. Alors faut pas croire, hein, ce jeu est assez arcade, mais il est dur. Hein. Sur la fin, en mode... Enfin, bon, on finit le jeu, un erreur jeu que j'ai fini d'ailleurs. C'est chaud, hein. Vraiment, avec les voitures ultra rapides à la fin, c'est vraiment très compliqué. Oh. Et surtout, c'est un peu la Mario Kart, c'est-à-dire qu'en gros, quand vous êtes derrière, ou l'IA est derrière, elle a tendance à vous rattraper très sourd. Même si vous êtes à fond. Je joue mal. Pas grave, je suis encore planté à combien? À 100 miles par heure. On va finir la dernière et avant-dernier ou comment ça se passe? Ouais, non mais c'est pas possible! J'essaie de rouler à contresens pour gagner du boost, mais ça joue pas en ma faveur. À contresens c'est bien pour avoir du boost, mais le boost c'est la meilleure manière de se planter aussi. Hein. Mais alors, c'est comme dans la vie. Exactement. Le jeu est trop réaliste. Quoi? La musique ça fait aussi penser à vieille série américaine, années 90-80. Bah ouais, mais c'est pour ça que j'aime beaucoup en fait. Ça pourrait être un générique pour la version Leader Price de Friends. Aïe aïe aïe. Je me suis bouffé un bus. Allez, à plus dans le bus. A plus dans le bus. Dans le bus, dans le bus. Oh là là, ce circuit est plus dur. Ouais, parce que les enchaînements, enfin des croisements, coups de croisement, du coup les voitures ont tendance à pas garder leur ligne. On a prévu le premier, je suis très content. Ça doit me vanter. Ça m'entraîne pour l'école de conduite où je vais aller bientôt. Voilà, on y croit. Hein. Allez, je vais avoir mon permis. Hein. Voilà, faudra que je passe la conduite. Ouah, oh bah oui, mais j'ai eu mon code déjà. Hein. D'ailleurs, je dis pour nos chers spectateurs, oui, je ne suis pas peu fier. Et oui. Le truc ultra banal, c'est, mais genre moi je suis trop fier. On rappelle qu'il avait perdu son permis après avoir jeté un bout de son karting en course sur un pilote. Comment ça, mais c'est non, pas vrai? C'est pas moi. Mais non, c'est pas moi. Comment ça, je mens? Je peux pas parler, monsieur. Il essaie de me discréditer. Aïe aïe aïe. En fait, c'est vrai que c'est un geste pas très sport quand même. Oh là là, mais c'est vrai, l'IA est en train de nous pourrir. Mais ça c'est la jeunesse, hein, la jeunesse là, qui n'a plus de repères. La jeunesse, les parents démissionnaires qui ne font plus leur travail, qui savent plus éduquer leurs enfants. Et on se termine avec des pilotes de karting qui jettent leur pare-choc sur d'autres concurrents. C'est vraiment moche quoi. Enfin, si j'étais Marshall, je décapiterais ce pilote. Vu que je suis quelqu'un de très mesuré. Alors qu'en région, on est en train de dire qu'on est en train de récupérer les extrémistes là, donc on va arrêter tout de suite. Ah oui, allez. C'est vrai que non, faut pas parler de décapitation en ce moment. Je vais s'appuyer sur End, puisque voilà, on va voir un petit peu les comparatifs. Bon, les temps, toujours pareil. Best score, attends, c'est quoi les best score? High score combo, big crash, bravo. On sait où te retrouver en tout cas. J'ai le record de crash. Ouais, par contre, le reste, c'est j'ai le record de crash. C'est trop la classe, mec. Joli replay, ou au moins on peut se voir ensemble aussi, ça c'est bien. Le replay est cool aussi, hein. Franchement. Ah, avec le petit picture in picture. Ouais, voilà, c'est ce qu'on aurait voulu voir dans d'autres jeux, n'est-ce pas, Gran Turismo 4. Mais c'est voilà, c'est dynamique, c'est sympa quand même. Hein.
Ça va, c'est cool. Et ce jeu a une framerate de ouf, hein. Aussi, faut le dire, le 60 FPS, on n'est pas loin. Alors peut-être pas là dans la vidéo, mais en tout cas, en vrai, c'est vraiment, vraiment super réussi. Fait le... Ah oui, c'était un jeu qui était extrêmement fluide, hein. Ça, c'était un de ses avantages. L'optimisation est au top. D'ailleurs, je pense au niveau du display, on a un aspect ratio qu'on a plus souvent dans 16:9 en fait. D'ailleurs, c'est un jeu qui tourne sous le moteur RenderWare. Un des premiers jeux à utiliser ce moteur. Un des premiers jeux d'envergure à utiliser ce moteur sur la PS2. Alors, par contre, il va y avoir un petit souci. Je me rends compte, c'est que chaque joueur doit utiliser le contrôleur sur le port 1. Ah! Et ça va un petit peu poser problème. Et ouais. Bon, qu'est-ce qu'on fait? On en fait une dernière du coup en single race normal? Moi je propose que tu fasses une course en solo pour montrer un petit peu comment est le jeu en solo. Ah, disons que j'ai fait une vidéo avant dessus donc c'est un peu. Ah oui, c'est vrai. Autant qu'on fasse en multi. Allez, go. Quel circuit tu veux d'ailleurs? Toi qui choisis. Vas-y, on va choisir la voiture. Vas-y. Ah, c'est à moi. Alors la muscle, c'est pas la bonne carte postée. Bon. Le premier qu'on avait fait, c'était pas trop difficile. Donc, bon, là, celui-là. Okay. Ouais, celui-là, ouais. L'aéroport. Alors, c'est un fail pour les deux, c'est magnifique. J'ai encore oublié. On peut faire des départs à chaque fois. Alors, j'y compte, t'as la voiture la plus rapide, mais t'as pas la plus maniable, donc on va voir ce que ça donne. Je dis ça, mais je suis plus rapide. C'est quoi cette merde? Non, mais. Oh là là. À vouloir faire l'intéressant aussi. Je vais essayer de la jouer safe pour une fois. Ah bah voilà, donc je pense que là, je joue la normale plutôt. Est-ce qu'on appelle la jouer safe? Bidou 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 bidou. Ah, la musique, ouais. Vas-y, bouffe-le. J'ai voulu faire un break check. Ça n'a pas fonctionné. Ah non, c'était... Par contre, c'est l'IA qui a fait un fail aussi. Alors ce qui est dommage, c'est qu'il est pas en sens inverse. On aurait dû le mettre en reverse, en fait. Ah, on peut faire ça. Bah, on la retente en reverse, direct. Ah. Bah ouais, carrément. Allez, on la retente en reverse. Change de car. Parce que en fait le problème c'est que pour avoir des burnouts et que ce soit amusant il faut qu'on fasse un peu en contre-sens. Vas-y, je vais faire ok. Et on... Ah non, on voit la pas en reverse, oh, quel débile. Bon bah je suis désolé. C'est ma faute. C'est ma faute. De toute façon j'étais pas à mon avantage donc moi ça me va. Et c'est encore un fail. Par contre toi non c'est passé. Ah non, c'est J'ai burnout mais j'ai pas totalement fait ce qu'il fallait. Ah, ce fail! Oh mon dieu! Et pourquoi j'ai fait ça? Ah, si, y'a un truc que. Je sais pas, t'as pas remarqué un truc depuis tout à l'heure? Quoi? Y'a un truc qui a changé. C'est quoi? Je te donne 3 chances de trouver ce qui a changé depuis tout à l'heure. Alors, attends. Alors, c'est difficile à dire, hein. Franchement, pour moi, rien n'a changé. C'est visible là tout Ah c'est carrément visible. Wouah. Aïe aïe aïe, il y a qui se met dans le mur. Franchement, je ne saurais dire. Bah t'as trop chaud hein, je te laisse. Bah quoi, la météo? Alors non, pas la météo. Franchement, je sais pas qui... Qu'est-ce qui a changé? Toi t'as changé. T'es plus le même. Souviens-toi de nos vidéos ensemble. Tu n'es plus que l'ombre de toi-même à chercher la performance et le... Non, c'est pas ça. Et vas-y, dis-moi, arrête de tourner autour du pot. Alors c'est un élément visible, vraiment visible. Et mais je sais pas. Si je te dis que je sais pas. Dans quelle position... Dans mon écran aussi. Dans quelle position était l'écran au début de la vidéo? Ah, c'était... Ah ouais, j'avoue, c'était horizontal. Oui, exactement. Là, c'est vertical. Voilà, c'est tout. Bah, c'est peut-être adapté au circuit, hein. Non, c'est le 16:9, je pense qu'elle fait ça. Moi, je préfère comme ça, hein, je pense. Hein. Bah, j'en doutais, mais... Bah, moi, je m'en fous, en fait, mais j'avoue que...
C'est plus logique, de toute façon, par rapport à un écran qui est 16:9, d'avoir du côté comme ça. Boost! Boost qui veut dire nitro. Non. Absolument pas, monsieur. Je vous demande de vous arrêter. Traduction. Cette traduction vous était offerte par DGNS. Alors, je sais pas ce que j'ai à chaque fois avec le tour 2, mais c'est toujours le tour où j'arrive à pas me planter. Attention, tu parles peut-être un peu trop vite parce qu'en général, quand on dit ça. Ah non, mais c'est fait. Je viens pas fait clap. Mais c'est un peu que je me plante. Bon, genre maintenant. En jeu pour gagner, il faut malheureusement prendre des risques aussi si tu veux avoir les boosts. Aïe aïe aïe, coup dur. Oui, il faut faire un double chance. Perfect. Ah, j'ai quand même pas mal d'avance. À base hein. De machine DB303. Je suis en seconde. Mon petit frère, il a des machines comme ça au frappe de la techno. Putain, qu'est-ce qu'on s'éclate avec quoi. Bah c'est... Ouais, c'est jouissif. tu manipules pas des zones dans un cercle aussi pour des sons différents en fait. C'est des potentiomètres en ouais, fait. Ouais, potentiomètres, voilà. C'est... T'es en train de revenir là, hein. On est au dernier tour. Aïe aïe aïe. Bon, ça va 8 secondes d'avance. J'ai fait une malbranche là, pour ceux qui ont compris. Oui, 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 qu'est-ce que j'ai mal au... Ah bah 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 bip. Aïe, 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 aïe. Bip. Nous sommes tout public, monsieur. Ah bah oui, hein. Je sais. Hein. Et les enfants qui nous regardent. On dira rien. Next. Allez, regardez le début quand même. Bon, est-ce qu'on en fait une dernière ou on s'arrête là? Comme tu le sens, Kim. Bon, moi ça me va une deux. Oh là, oh là, le bug à droite, je sais pas si t'avais vu. Ça s'est un petit peu mal passé. Il y a un moment où je suis passé sous une voiture qui se crachait, mais c'était. Bah, je pense que c'est après. Ah, c'est mais c'est moi qu'on voit en. Ouais, 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 c'est toi. On voit le premier en fait. Lui qui est en tête. Ah, d'accord. Ah. Bon, du coup, on va profiter parce qu'on va pas te voir souvent. Ah, oui, mais c'est cette voiture là qui, à un moment, elle s'est crachée, je suis passé en dessous, mais. C'est vers la ah fin. Oui, la voiture devant là. C'est ici non? Ouais. Oh, on va le voir en premier. C'est là, ouais, c'est là. Boum. J'ai pas compris ce qu'elle a fait surtout. Bah, oui, c'est plus le poteau suicide. Central. Ne faites pas ça à la maison. Alors. Tu t'es crashé combien de fois? Avec deux fois, mine de rien. Tu t'es crashé avec deux fois. Ah ouais, pas mal. Allez, on fait une dernière, on est à 28 minutes. Ouais. Et si on se prenait des 4x4 un peu là? Ah mais regarde, il n'y a pas beaucoup de différence à prendre un 4x4. Hein. On suit là si tu veux. J'adore les 4x4, j'adore le CX des voitures, j'aime la pollution et la nature. Ah bah oui hein. Moi je suis le genre de mec, quand ma batterie de voiture est morte, je m'en débarrasse dans l'océan. Hein. Évidemment. Normal, mais je l'ouvre en deux pour libérer les substances. J'aime créer des mini marées noires à la maison. Le pire truc quoi. Le pire truc pour l'environnement quoi. On va se faire défoncer par les échos, les écolos, les écolos bio. Allez, c'est parti. Donc ça, c'est le circuit le plus long qu'on est à faire. Attention, il y a un bus. Oh là là, magnifique. Coup dur. Ouah. Ouah. Tu fais des petites frayeurs dans ce jeu quand même, hein. Ah oui, oui, bah de toute façon. Ah, par contre, c'est j'ai comme rouler à contre-sens dans la vraie vie en fait. Tu fais des frayeurs. Ah, il est pas évident le 4x4 parce qu'il a un. Ah, je sais pas, il y a une fâcheuse tendance à bouger littéralement. Désolé. C'est moi que j'ai fait exprès. J'ai vu. Parce que je suis un gros enfoiré. Par contre, c'est dommage qu'on puisse pas se take down comme dans le 3. Alors, on peut potentiellement, mais t'auras pas de la même manière. Enfin, ouais, je peux t'envoyer un bagnole quoi, mais. Allez, salut! Ah, c'est devant! Oh putain! Oh la vache! Ouah! Et non! Et merde! Coup dur! Pour Yomgi! Oh là là! Oh là là, c'est scandaleux! Oh là là là. Ah ouais, non mais on a tellement fait n'importe quoi devant que
que les usagers de la route ne savaient plus où se mettre. Dans cette situation, je me crache, je ralentis, j'appuie sur le bouton de boost. Tu sais que j'ai eu une question au code de la route, à l'examen du code de la route, ouais. Sur quelqu'un qui arrive à sens inverse sur l'autoroute quand même. Et du genre, coup, sur le temps de réaction que t'as, genre quand quelqu'un arrive sur l'autoroute. Ah bon? C'est pas. C'était genre combien de temps vais-je mettre à réagir dans cette situation? Et genre c'était genre 2 secondes, 3 secondes, 5 secondes. Et genre j'ai mis 5 secondes. Tu non, vois, c'est genre, pas 5 secondes. Que Si, c'est 5 secondes parce que justement, genre. T'as le temps de réaction, plus le temps de. Ça fait une seconde. Le temps de réaction plus le temps de comprendre ce qui se passe, sachant que c'est une situation insolite qui se produit jamais, c'est 5 secondes en fait. Enfin, d'après ce que j'avais appris dans mon code de la route. Je comprends pourquoi je me crache tous les jours dans la vraie vie. J'avais estimé mon temps à une seconde seulement. En fait, les mecs, les protagonistes de Burnout, même si on n'entend jamais parler, ils doivent payer cher leur assurance audio quand même. Bonjour monsieur. J'ai développé le jeu Burnout 1, 2 et 3. Ouais, j'avoue, rien que le développeur en fait. Bon, alors monsieur, pour démarrer, vous aurez pas 6 points sur votre permis, mais 1. On prend pas de risque. Ah, par contre, la non-vitesse quoi. Le bâtard, comment il est passé quoi. Ah, mais je fais ce que je veux quoi. Oh le mec. Ouais. Je vis en triple de lui. Ah, j'aimais les enchaînements de rapage, c'est vraiment plus sympa à faire ce. Dorifto. Je préfère ton 4x4 que le mien à niveau esthétique. Bah oui, j'aime pas les pick-up. Ouais, moi non plus. C'est pour les gros bouseux américains. Alors on s'excusera à tous les bouseux américains qui se reconnaîtront. Non, c'est pas ce que je voulais dire. Bah tu sais que eux-mêmes ils s'appellent bouseux, hein. Et les délits c'est bouseux. Ah. Enfin, tu fais attention, c'est un petit peu bouché sur la 47. Oh là là, c'était magnifique. Ouah, le vol plané quoi. Attention monsieur. Ouf, le tour de derrière était magique. Alors je me souviens quand j'étais gamin, quand on essayait de faire les records de crash justement en un joueur. À la fin, t'arrivais à faire des scores de fou, mais en abusant de limite de glitch en fait avec les bus. Quand tu les retournais, etc. Mais des fois la voiture elle faisait n'importe quoi aussi. Hein. Et en plus tu pouvais enchaîner quasiment 100 millions de points. Je vais pas te mentir, ce mode crash, j'ai toujours trouvé ça complètement con. Je me suis toujours dit mais pourquoi est-ce qu'un mec se jetterait dans une intersection pour faire des points. Ah oui. J'ai toujours trouvé ça débile. Bah, il aurait fallu appeler le mode suicide à la limite, tu vois. Mais... Genre, avec un petit scénario d'un mec qui travaille dans un open space en mode. J'en ai marre de la vie, tu sais. Genre, ce soir, je vais me suicider. Mais... Rejoins nous sur la prochaine tout, course de Burnout. Aïe aïe aïe. C'est quoi le scénario dans Burnout? Les mecs, ils ont dû pitcher le projet à l'éditeur, genre. Ah là là, trop d'émotions sur Tetris. Le scénario m'a retourné. Toutes ces petites briques qui toi, se là. Cassent et qui reviennent entre elles. Ah oui, l'argent, ouais, je suis dernier. Et on a fait le 3 quarts de la course. Bah, c'est bien fait pour toi. Remarquez à quel point je suis fair play, cher téléspectateur. Exactement. Moi, je suis le genre de pote que t'invites une fois à jouer à la Play 2, mais pas deux fois. T'arrêtes quoi. Je suis le genre de pote, tu rentres de l'école et tu le trouves chez toi en train de manger ton goûter et de jouer à ta propre console. Oh. C'est véridique en plus, c'est vraiment arrivé une fois. J'avais un pote qui avait la GameCube à l'époque avec Need for Speed Underground, et genre, il m'avait invité une fois, et genre, j'étais allé chez lui, chez sa mamie, et il était pas là, et j'ai dit à sa mamie, oui, je vais attendre Jean, je peux jouer à la console. Elle m'avait servi des petits gâteaux et tout. Ah, c'est trop bien. J'attendais. Et le mec il est arrivé, il me dit oh ça va, t'es pas gêné toi. Mais ça m'a tellement tué, j'étais ah bon non. Mais le pire c'est que j'avais fait. Moi. J'avais déjà fait la même en plus. Hein. Ou alors c'est juste que Jean Galabert était un enculé. Si tu te reconnais, on passe le bonjour.
Non mais je me souviens, mais c'était pas vu comme ça en mode machin, c'est que je suis venu voir un pote, enfin mon voisin en fait, mon voisin. Et bon, il avait joué Formula 1, et je me suis dit bon bah je vais attendre qu'il rentre quoi. Et en fait il est jamais venu, j'ai passé toute l'après-midi à jouer à Formula 1. Et t'as gagné. Ça fout mal en vrai, n'empêche quand j'y repense, tu rentres du sport ou quoi, tu dis ah je vais me poser tranquille dans la console, et là tu vois qui? Guillaume en train de jouer à ta console et de bouffer tes gâteaux. Oh non, pas lui, putain. Putain, c'est qui ce mec? Tu vois, déjà à l'époque, t'étais un peu SDF dans l'âme. Quel enfoiré. Ah non, je suis DF, moi. J'ai un domicile fixe et je n'en sors jamais. Ah mon dieu. Mais t'as gagné, hein. De rien. Ah, franchement, un jour, va falloir que tu me payes pour faire ces vidéos avec tout ce que tu me mets dans la gueule. Bah, j'avoue. Ah là là. Bon bah belle victoire, c'était, en tout cas. C'était un plaisir, c'était un plaisir. Belle victoire, on va mettre un petit replay, voilà, vite fait pour la fin. Absolument. Donc c'était Burnout 2 sur PlayStation 2. Oh là, moi j'ai aussi Carnage derrière, quoi. Et que... PlayStation Burnout 2. Et on se retrouve pour une autre vidéo, merci Guillaume. Bonne soirée, ciao tout le monde. Mais de rien, un plaisir, des bisous. Ciao ciao.